Le monsieur en question a fait ce sketch en Corse plein de fois. Le sketch est très apprécié en Corse. Ah, le sketch est très apprécié. Il s'appelle Tano. Et tous ceux qui aiment les Corses vont se régaler. Tano, viens. Eru paisano fiero, giorna d'ante disgraziato. Voglio cantare la dispero di lumi amore sconciato. Angiola pure fantina di uerano più bello fiore. Je sens un truc dur là. J'aurais pas oublié une boule tiesse. Oh, non. Oh, Dominique, mi. Musée, ça va. Ben, tu es en forme, ça va. Alors, oh, tu es venu avec ton petit neveu, hein? Quel âge il a ce petit? Quel âge tu as? Ah bon? C'est pas un peu jeune, 8 ans et demi, pour avoir un fusil? C'est trop lourd, donne-lui un pistolet. Et il est où, Toussaint? Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache, il est où? Oh, regarde-le. Oh, Toussaint, ami. Musée, ça va. Ben, tu es en forme, ça va. Oh, tu as des beaux souliers. Qu'est-ce que c'est tes souliers? Zara. Eh, c'est bien, Zara. Tu vas voir, dans 2 semaines, tu as des sandales. Alors, tu es allé à la pêche? Non? Tu es allé à la chasse? Oui, alors, tu as attrapé quoi, la chasse? Un torticolis. Mais je t'ai dit 100 fois, Toussaint, regarde, tu es comme ça, regarde, toute cette partie-là. Eh ben, il faut que tu sortes de la voiture. Oh, Dominique, tu as acheté le caméscope. Le caméscope. La caméra. Elle est où? Oh, je ne l'avais pas vue, excuse-moi. Oh, eh ben, c'est bon matériel, ça, qu'est-ce que c'est? Oh, et le point rouge, là, qu'est-ce que c'est? Il y a un point rouge. Ça filme, tonton, mais qui sont cons? J'avais pas eu ma cagoule. Mais prévenez-moi, merde, bande de cons, de bracassés que vous êtes. Alors, le seul qui travaille ici, c'est moi, alors, c'est ça. Quoi? On me voit, oui, on me voit. Mais on ne me reconnaît pas. Bon, j'ai préparé la liste des revendications, mais avant, je vais faire un peu des vocalises pour m'éclaircir la voix. Comme un comédien, pareil. Combien sont ces 6 saucissons 6, ces 6 saucissons 6 sont 6 sous, 6 sous, ces 6 saucissons 6, t'es 6 sous trop cher. Le berger bourré bourre la brebis bredouille. Intimamente, come tiri un forciolo, con 4 capre. Toussaint, tu sais pourquoi on met la main comme ça quand on chante en Corse? C'est pour pas que l'autre à côté il copie, tu vois. Bon, faut que je fasse un visage un peu menaçant là pour la caméra. Pour Sarkozy là. Visage à quoi? Bruce Willis? Pff, qui c'est ça, Bruce Willis? Brot Willis. Eh oui, mais dis-le bien, on comprend pas ce que tu dis. Allez. Brot Willis. Monsieur Nicolas Sarkozy, nous voulons une usine automobile corse. Pour fabriquer nos propres 4x4, parce que nous voulons que nos 4x4 aillent plus vite que les 4x4 des continentaux. Parce qu'on ne veut pas qu'on nous double. Nous fabriquerons aussi quelques Ferrari, mais nous on l'appellera la Simonetti. En mémoire de Simon de Digliard, qui remporta le Tour de Corse 2004, grâce à ses talents exceptionnels de pilote, sa 4L et son Magnum 44. Monsieur Sarkozy. Nous voulons l'indépendance, nous voulons de l'argent sur nos comptes, nous voulons l'immunité diplomatique, bref, nous voulons vivre dans notre île être monégasque. Monsieur Nicolas Sarkozy, en ce qui concerne les vagabonds, c'est-à-dire le compte que ce fils de merde. Oh Toussaint, change la sonnerie du portable. Possible, ça. Je disais donc, avant qu'on appelle le gros débile, en ce qui concerne les vagabonds, c'est-à-dire les réfugiés, que vous, monsieur Sarkozy, comme ça vous appelez vulgairement dans les médias, les touristes, nous rappelons à ces bagnards estivaux
qui n'ont en aucun cas le droit de construire quoi que ce soit sur notre île, y compris des pâtés de sable sur nos plages. Nous les ferons sauter, pâtés de sable, avec des petites bombes, des bombinettes. Nous sommes des fous, Sarkozy. La Zoom, là, sert, il va se chier dessus, là. Et n'oubliez jamais ce proverbe corse. Quiconque insulte notre peuple, un. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre sur la version corse de Facebook qui s'appelle Cagoulebook. Alors, tu as reçu un texto. Monsieur Sarkozy, dans l'attente d'une réponse positive et surtout rapide, veuillez croire en mes sincères salutations. Et dans l'attente d'une réponse négative, veuillez croire en mes sincères condoléances. Voilà. Alors, c'est bon, hein? Ça va, j'étais bon, c'est bien. Alors, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu plaisantes? Mais que tu es con! Eh ben, vas-y maintenant, va acheter une cassette, vas-y, cours! Il s'appelle Tano! Ah, c'est bien. C'est pas sans risque, mais c'est bien. Tano, comédien, hein? Viens vite t'asseoir. T'as été impeccable.